Je sais que je vais pas mettre n'importe quelle photo qui va me tomber sous la main. Je vais choisir, enfin voilà quoi. Et puis si je veux mettre une photo de mon ami, j'irai le lendemain à l'école lui demander. Comme Amélie, ces CM2 sont les premiers détenteurs du permis internet de la ville d'Elancourt. Deux classes ont répondu à l'appel de la commune. Il était important, à notre avis, de pouvoir faire une information aux enfants sur les bonnes pratiques d'Internet. Je préfère dire les bonnes pratiques d'Internet plutôt que les dangers d'Internet. Les dangers, c'est anxiogène et du coup, ils vont plus s'en servir. Avec un guide fourni par le ministère de l'Intérieur, un agent municipal a assuré 4 séances de formation conclues par un questionnaire, une manière de les sensibiliser aux différents aspects d'Internet. Je pense que c'est important de leur en parler souvent parce qu'ils n'en ont pas forcément conscience. Ils n'ont pas forcément conscience des dégâts qu'ils peuvent faire sur leurs camarades en mettant sur Internet des choses pas très sympathiques. Donc c'est vraiment important qu'ils soient sensibilisés à tous ces thèmes et aussi et surtout au thème du harcèlement sur Internet. Pour l'année scolaire 2016-2017, la commune souhaite former de nouveaux agents municipaux pour sensibiliser des classes supplémentaires.